Et Yamina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la toute dernière vidéo Solus du purification du cerisier. Après avoir parlé donc à la personne qui est juste au-dessus de moi, dans les alentours, vous devrez parler à une personne pour qu'une cinématique s'active. Si vous avez regardé mes trois premières vidéos Solus dessus, c'est que vous allez arriver au même moment que moi, où il faudra purifier le mal en lui-même, donc le miasme, qui est un boss secret. Donc préparez-vous en avance, qui est un boss secret de Inazuma. Ce boss va se passer en trois phases qui vont se répéter trois fois. Affronter donc un samouraï, résoudre un puzzle, frapper le miasme. Donc, une fois que vous avez frappé le samouraï, nous allons faire l'indice et je vais faire toujours le même tour que vous allez voir pour pouvoir vous aider. Enfin, je crois que dans la vidéo, j'ai fait toujours le même tour. Ah non, pas dans cette fois-ci. Donc là, vous faites 2. Vous faites 3 pour celui-là. De toute façon, vous répétez, hein, vous faites comme moi, vous tournez et ça passera. 5 pour celui-là. Et 4 pour celui-ci. Ensuite, vous avez juste à purifier pour faire descendre le miasme. Et là, il n'y a qu'un seul mot à faire. Qu'une seule chose plutôt à faire. Bourriner. Vous bourrinez, vous bourrinez. Mais vous inquiétez pas, il y a obligatoirement 3 phases. Donc vous avez le temps de le bourriner. Il n'y a vraiment pas de temps limité. Enfin, moi personnellement, comme je l'ai fait, il n'y avait pas de temps limité. Je l'ai fait 2 fois. Sur 2 comptes différents, il n'y a pas eu de souci. Une fois que le miasme va remonter, il va invoquer un samouraï maintenant d'une autre couleur. Il faudra lui aussi donc l'affronter, le vaincre, pour ensuite faire apparaître le deuxième puzzle. Une fois le samouraï vaincu, à ce moment-là, n'oubliez pas aussi de vous protéger avec l'électro, et faites gaffe, il vous envoie des boules d'énergie. Donc là, vous faites 2. Vous faites 3 celui-là. 5 à celui-là. Et 4 au prochain. Et oui, il vous envoie des boules d'énergie toutes les 5 à 10 secondes. Donc esquivez-les. Voilà. Ensuite, vous avez juste à prier pour faire tomber le miasme par terre. Et là, ben, comme avant, vous bourrinez. Donc pour la troisième et dernière phase, vous affrontez les deux samouraïs que vous avez affrontés avant. Le rouge et le violet. Donc là, ben, vous les battez. Et on attaquera donc la dernière énigme. Ou dernier puzzle, comme vous voulez. Alors, là, ça va être un peu plus rapide parce que ce sera du 2-3-2-3. 2-3. Et ensuite, que si imaginons on serait parti à partir de la droite, ça aurait été 2-3. Donc là, c'est le 3. Et là-bas, c'est le 2. Vous priez. Et vous en terminez en enlevant le reste des PV au miasme. Et voilà, vous avez vaincu le miasme. Une fois le miasme vaincu, vous devrez parler donc à Kazali.
maintenant récupérer le masque, car ça va être le masque qui va vous servir pour obtenir donc la nouvelle arme. Oui, donc on se rend à la forge. Si ce n'est pas déjà fait, vous allez donc dans votre inventaire et vous allez sur le masque que vous allez activer. Il servira donc à créer la nouvelle arme, donc l'anneau, donc le nouveau catalyseur. Donc vous allez, comme si vous voulez la forger, et vous allez voir que le catalyseur, il est là, l'anneau des Hakuchin. Voilà, le tout nouveau catalyseur de Inazuma. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner, et on se retrouve pour d'autres vidéos solus sur Genshin Impact. Allez, ciao, ciao maintenant.